Pendant toute la semaine, c'est Benjamin Royer, le chef de la cour d'essence à Saint-Tré, qui a cuisiné pour nous. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine, le dessert. Alors, tu as monté des blancs, oui. Hein, en neige. On a mis un petit peu de sucre. On fait quoi avec ça? On va faire une pâte à gaufres. Ok, super. Qu'on associera avec juste une gaufre. Tu m'as juste fait des gaufres. Ouais, c'est pas assez? Si, c'est bien, mais je sais pas. Je me dis qu'il y a un siphon derrière, donc il y a peut-être un truc en plus. Alors, effectivement, on a fait un siphon pour faire une mousse au chocolat tiède. Ah, waouh. Et ben voilà, c'est bien. Donc, c'est juste un mélange de lait, de crème et oui. de chocolat. D'accord. On fait bouillir les deux liquides et on verse le chocolat. Et on met en siphon, tout simplement. D'accord, pour apporter le côté aérien. Ouais, donc, gaufre et chocolat chaud. Oui, et puis j'ai préparé un petit nouilles à glacer. D'accord. Et puis si on a arrosé ça, caramel, beurre salé. C'est un dessert de fou, ça. Top. On fait les gaufres. Allez, on fait la pâte. Donc là, on a mis farine, sel. Oui. D'accord. On va venir ajouter le lait. D'accord. C'est une recette de gaufres que tu as eue où? C'est un ami chef qui me l'a donné. D'accord. Donc, on rajoute les jaunes. Ça va nous faire une pâte un petit peu vraiment épaisse, d'accord. Ça a besoin de reposer ou non? Non. D'accord. Justement, puisqu'on on va rajouter la crème fouettée. Donc d'accord. C'est vraiment utilisé rapidement. Tu veux que je t'aide? Ouais, je veux bien. Ça. Donc là, il y avait de la levure dans ta farine? Non. Tu mets pas de levure? Non. D'accord. Non, vu qu'on a deux produits qui vont amener... De la légèreté, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est ça. Donc là, regarde, de la belle crème fouettée, regarde. Alors là, ça sert juste à dépendre de l'appareil. Hein. C'est, oui, pas, oui. C'est pas grave si on la casse. Hein. D'accord. C'est pour ça que j'aime bien la pâtisserie. Parce qu'on voit tout de suite dans les pâtes à gâteau la différence dès qu'on ajoute un ingrédient. Oui, c'est vrai. Ça se détend. Bah, ce qui est bien dans ta recette, c'est que finalement, il n'y a pas besoin de repos en plus. Non, on peut le faire. Ouais, même les blancs pour les monter à la main, mais c'est quand même plus facile au robot. Donc là cette fois-ci, on va prendre la cuillère pour éviter de casser. Oui. J'aime bien les Maryse, moi. Ah oui, oui, la Maryse. Tiens. Je te débarrasse si tu veux. Ouais, tiens, on échange si tu veux. Hop. Parfait. Et là, regarde tes beaux blancs. Oh, regarde comme c'est beau ça. Ouais, ils sont bien serrés. Là, ouais. On voit la pâte, elle est toute aérienne. Et donc, c'est le fait d'avoir mis comme ça les blancs qui vont. Ça va apporter la. C'est ça. Le côté moelleux, quoi. Oui. C'est très bien, là, Valentine, on va s'arrêter. D'accord, on va attendre ça te que va. Le gaufrier chauffe. Et puis, si tu veux, on attaque le caramel. Ouais. Eh ben on fait ça. Donc, j'ai mis du glucose, mais on peut remplacer par du miel à la maison, hein, c'est d'accord. plus facile à trouver. Mm-hmm. Et un petit peu de sucre. Ok. D'accord. L'idée, c'est moitié du miel par rapport au poids du sucre. D'accord. D'accord. Et donc là, on va le faire colorer. Oui, on y va. Pour couleur caramel. Ce... Plutôt foncé. Oui. Parce que du coup, le beurre et la crème vont. D'accord. La crème, on la mettra chaude. Oui, ça va effectivement adoucir et surtout en couleur, ouais. Ça va s'atténuer. Quoi. C'est ça. Mm. C'est ça. Donc, on a les pots de crème. Donc la crème, moi, je la fais légèrement chauffer avant. D'accord. Donc, il n'y a pas de choc thermique important. Oui. D'accord. Donc la fais chauffer. Du bon beurre. D'accord. Et de la fleur de sel. Mm. Voilà. Oui, parce qu'on est sur un caramel au beurre salé. Oui, tout à fait. Donc là, on va pas tarder à y aller, t'as vu ouais. Ça commence vraiment là, à prendre une belle couleur. Oui, une belle coloration blonde. Mm. Donc qu'est-ce qu'on met ensuite comme ingrédient? Donc on va déglacer la crème. Oui. On va mettre encore un tout petit peu de rien. Tu vois là? Voilà, c'est à ce moment-là où tu là, fais attention de ne pas t'éclabousser. D'accord. C'est toujours... J'y vais progressivement. Voilà, c'est tout bien. Je mets toute la crème? Oui, oui, il y a deux pipettes. Voilà. Et puis là, tu peux enchaîner. D'accord. Le beurre. Donc, je mets le beurre? Je mets progressivement? Ouais, vas-y. Voilà. Je mets tout, hein. Ouais. Tu parsèmes de ton petit sel. D'accord. Et le sel, c'est résume pareil, c'est... Ouais. Faut que ça Je mets tout d'un coup. Ouais, enfin, c'est bien dosé. Ouais, hein. C'est pesé. Et là, on attend. Alors, on va laisser cuire, on va laisser D'accord. réduire. Ok. Donc, on va attendre que le caramel se termine. Hein. Donc, voilà. Il est quasiment terminé. C'est ça. Pendant ce temps, on cuit nos gaufres. Allez. Et après, on dresse. Parfait. Hein? Why didn't you tell? Why didn't I know? Landscape.
escapes, blurred by the rain. Mountains covered in snow. Why didn't I see the forest on fire behind the trees? Alors comment dire? Bah tout est bon, c'est excellent. On est vraiment dans le dessert gourmand. On se fait plaisir. Il y a du chocolat, du caramel avec la petite touche de beurre salé, bon. La gaufre exquise, et puis ton petit nougat glacé. Ça va bien. C'est parfait. J'ai rien à redire. C'est génial. Voilà. Donc ça, c'est une recette que vous pouvez refaire à la maison. Hein. Et puis on est en hiver, donc on peut en manger en ce moment. On a le droit de se faire plaisir. Exactement. Puis c'est bientôt la chandeleur, tu vois. On y va. Ouais, quoi. Non, c'est top. Les gaufres, les crêpes. Hein. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous d'être venu. On a passé un bon moment, comme à chaque fois, avec toi. Donc, on reviendra l'année prochaine. À bientôt.